Bisous. Bon, un peu de calme là-haut. Quand vous allez monter le plomb, vous allez monter 3-4 tours, pas plus. Faut pas venir, faut surtout pas venir, la limite c'est la moitié de la rampe là. Donc moi vous allez voir, je vais le monter. Donc vous bloquez, vous faites 4 tours. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez même en faire 5 si vous voulez, on est en 0,3. Donc vous regroupez le tout, on est d'accord. Et vous voyez ce que ça fait. Et vous tenez 1 mm devant l'œillet. Ben, saisis, hein. Ouais. Ok. Faites 4, 5, c'est bon, quoi. N'inquiétez pas. Tu le prends après? Alors ensuite, après, ben, vous le retirez en arrière, là, légèrement. Là, tu vas voir pourquoi. On le recule parce qu'il faut le coller. Il faut laisser la place de la colle. Donc vous prenez un peu de colle, d'accord? Vous le mettez ici. Et vous poussez légèrement et vous gardez votre millimètre devant. Ok? C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que ça colle, hein, de toute façon. J'en mets là. Ça. Ok, là. Voilà, donc vous coupez l'excédent, hein. On fait quelque chose de propre. Ça sert à rien. Ben, c'est-à-dire que même si tu en mets 4 ou 5, ça fait pareil. Il faut que tu l'écartes au plus. C'est plus t'en mets, plus tu en mets. Voilà, donc vous fixez. Vous fixez sur la rampe derrière, quoi, hein, de par dos. Et vous retirez. Voilà. Alors derrière, vous laissez le pardo, il doit dépasser à peu près d'entre 5 et 7 mm maximum. Pas des machines d'un centimètre et demi. Hein. C'est pas des libellules. Hein. Tout le monde y est? C'est bon? Ouais. Denis, c'est bon? C'est bon? Denis? Alors, vous allez mettre le kill, vous allez le mettre qui vienne jusqu'au niveau du plomb. On est d'accord? Comme ça, ça comble un peu au niveau du fil. Vous commencez, vous amenez comme ça, et vous remontez. Voilà. Et on enroule pour faire à peu près la hauteur du plomb. Alors pourquoi on a mis du 0,3? L'épaisseur du 0,3 devant, c'est le haut de l'abdomen. Donc quand vous allez le chargez pas plus haut que ça. D'accord? Ça vous donne une dimension. Donc vous allez le faire jusqu'à la queue, mais très fin en bas. Hein. Vous voyez comment c'est là? Donc là j'ai mis ça ici, vous allez voir. Je vais redescendre qu'une seule fois. Hein. Sur la queue. Voilà. Et là je vais remonter. Avec des spires bien jointives, bien propres. Et là, le plomb, c'est ce qui va nous donner l'équilibre. La grosseur de la nymphe. Parce que c'est aussi fin que ça, il ne faut pas arriver. Voilà, terminé. C'est simple, hein. Ça fait une montée, une descente et une montée. Point barre. D'accord? Donc ce qu'on fait, moi je le fais systématiquement, hein. Vous faites un nœud, vous garantissez le truc, parce que si ça se barre, on n'est pas dans la merde. Ça t'arrête juste derrière le tour. Ouais. Alors, tu as mis tes cercles. Tu montes jusqu'à ton plomb. D'accord? Tu redescends et tu remontes. Normalement, tu dois obtenir quelque chose de conique. Exact.
Alors c'est pas la peine de coller, hein. Vous emmerdez pas à coller puisqu'on va mettre de la résine. C'est bon pour tout le monde ? Tu as roulé le kill alors ? Alors. Alors le kill que je vous ai donné, vous allez le mouiller. Vous le mouillez avec vos doigts, d'accord ? Et n'ayez pas peur, hein. Et vous allez commencer à l'enrouler. Donc vous démarrez du bas, tranquillement. Voilà. Et vous enroulez doucement, tranquille. Et on enroule jusqu'au plomb ? Jusqu'au plomb. On fait qu'en aller, hein. Ah oui, 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 oui. Le retour, on n'y compte pas. Non, non. Et donc, vous arrêtez. Vous l'arrêtez, d'accord ? Voilà. Donc, vous voyez que le kill, il en reste, vous pouvez en faire au moins 3. Hein. Ouais. Pardon. Ah ouais, le cercle, c'est pardon. Oh, deux kills. Ok. Résine après. C'est bon. Là, le kill est posé, moi. Alors, vas-y. Là, tu es remonté avec ton fil jusque devant le plomb. Maintenant, tu peux même passer par-dessus le plomb. Alors maintenant, sur le plomb, sur le kill, vous allez mettre de la résine. D'accord ? Alors, allez-y doucement, hein. Un coup de laser, d'accord ? Ouais, c'est une buse. C'est François qui l'a trouvé. Il allait se balader avec son chien au bord du Rhin là-bas. Il l'a vu, il a arraché ça, il m'a dit putain, je suis le seul, je ne peux pas me faire parler. J'ai foutu pendant 2 heures de mon truc, et l'autre fois, j'ai dit putain, tu vas le mettre dans la gamelle. Oh, nom de Dieu, dis-tu, il y a ça. Et là, t'as dit qu'il est plus bon de signer. Ah ouais, ouais. On essaiera, ouais. C'est bon, Pierrot ? Moi, c'est bon. Tout le monde a mis la résine ? Non, mettez vraiment très fin, hein. Pas trop chargé. Hein. Alors, petit poil et une partie kill. Hein, d'accord ? Partie lisse. Donc la partie lisse, c'est ce qui doit se voir. C'est ce qui va se voir, hein. D'accord ? Donc vous la mettez à plat et vous mettez les poils dessus. Donc vous prenez la partie comme ça, vous mettez ici, voilà. Et vous mettez comme ça, les poils en haut. C'est barbu, là. C'est là les poils. Ouais, ouais. Ça c'est sur les côtés lisses. Les côtés lisses, les côtés poils. Voilà, parfait. Tu le fixes sur le dessus. Sur le dessus. Et comme si tu fixes ton sac à air, tu fais la poudre 2 heures, tu peux pas le faire. Bon, c'est bon, vous en êtes prêts ? Alors attendez, je vais le faire, hein.
quand même, tu mets une pincée. Il en faut quand même pas mal. Attends, Piro. Mais je mets pas tout, hein. Ah, mais non, il n'y a pas beaucoup, hein. Tu vas voir. Tu coupes côté peau, hein, tu gardes les pointes. Bien sûr. Et tu coupes côté peau, d'accord. S'il y a quand même une belle pincée. Hein. Il faut que la pincée fasse à peu près 2 cm. En gros, hein, d'accord. Ensuite, vous coupez l'arrière. Voilà. Et là, vous en profitez, tac. Voilà, terminé. Vous y êtes ? C'est bon ? Parfait. On peut y aller ? Alors regardez comment je fais là. Donc vous allez entourer. Vous venez jusqu'à embuter au niveau des poils. Et ce que vous faites, vous les mettez légèrement derrière. D'accord ? Et vous faites un tour, le premier tour, vous le faites comme ça. Ensuite, vous allez descendre. D'accord ? Vous refaites ça. D'accord ? Et vous venez devant. Vous voyez, quand on dit 2 cm, pas tout à fait 2 cm, je suis vraiment au niveau de mon œillet, là. Et je ne m'emmerde pas pour fixer. Ouais. Vous voyez ? T'as qu'à me le dire là. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu dégages un peu, tu arrêtes un peu, tu vois. C'est bon les gars? Fais un nœud devant. Alors moi ce que je fais un nœud devant parce que si ça vient à partir. Arrêtez à mesure. Hein. D'accord. Bon. Tout le monde y est? Tout le monde s'en fout. Alors on va rabattre ce que je vous ai donné là pour faire le sac à air. Donc ce que vous faites, ceux qui ont un petit truc comme ça, vous écartez bien de chaque côté. D'accord. Et vous allez venir devant, regardez comment je fais. Parce que normalement, dessous, c'est les quilles qu'il y a dessous. Hein. D'accord ? Donc vous allez venir devant, comme ça. Vous mettez votre main, vous le tenez. On reboucle. D'accord ? Et vous passez par-dessus. Ok ? Tac. Attention, l'œillet, il faut qu'il soit libre. Faites. Donc si vous avez fait donc le dessus, vous avez tout fait, on coupe le fil, d'accord? Vous la retournez. Parce que là c'est plus une portugaise qu'une mouche. Allez, d'accord. Vous allez à droite et à gauche là. D'accord?
travers la pinceau. Et vous allez couper ce qui est dessous. C'est que j'ai C'est bon les gars? Après le sac à air, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pointe de résine. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi. Vous pouvez le faire, hein. Il est plein d'un côté que ça. Ne t'inquiète pas, il a rangé la gueule. J'ai mangé le lit. Ouais, je m'en doutais. Ça m'arrive souvent. Hein. Parce que vous ne laissez pas assez de place. Non, mais c'est bon. J'arrive.